la guitare électrique, démon, Tony Lorca. Oui, c'est vrai, c'est l'après-midi, mais on n'a pas l'habitude. Et puis on est enfermé dans le noir toute la journée, alors on va quand même aller chercher des XP et vous faire découvrir la vie d'aventurier. Oui, alors donc, bienvenue à tous les aventuriers des Terres de Fang, mais aussi ceux des Royaumes Oubliés, ceux du monde de Warhammer et ceux des autres mondes. On va voir comment on gagne des XP. Quand j'aurai mon niveau 2, j'achèterai un duvet pour dormir dans les donjons sans jamais m'enrhumer. C'est un peu ça, la vie d'aventurier, et on y va, y'a des copains saignés. Quand j'aurai mon niveau 3, j'achèterai un carquois, j'y mettrai des chefs magiques, genre qui tâche un bras. C'est un peu ça, la vie d'aventurier, et on je sais pas vraiment monter, tant pis ça m'est égal. C'est un peu ça, la vie d'aventurier, et on y va, y'a des orques à dessiner. Quand j'aurai mon niveau 5, j'achèterai des parchemins pour lancer des sortilèges, même si je suis pas magicien. C'est un peu ça, la vie d'aventurier, et on y va, y'a des bandits à cramer. Oh, ah, niveau 6, j'achèterai une armure, c'est moins facile de courir, et on évite les fractures. C'est un peu ça, la vie d'aventurier, et on y va, y a des grands à bousiller. Quand j'aurai mon niveau 7, j'achèterai un anneau qui donne plus de charisme et la puissance d'un taureau. C'est un peu ça, la vie d'aventurier, et on y va, y a des mille corps à tuer. Quand j'aurai mon niveau 8, j'achèterai une baliste pour assiéger les donjons des nécromants cultistes. C'est un peu ça, la vie d'aventurier, et on y va, y'a les guichards et les trains. Quand j'aurai mon niveau 9, j'achèterai du corpale pour arracher vos dragons, c'est parti génital. C'est un peu ça, la vie d'aventurier, et on y va, y'a un dragon pour tester. Oh,
j'achèterai des pansements pour corriger les erreurs du niveau précédent. C'est surtout ça, la vie d'aventurier. Je rentre chez moi, ma carrière est terminée. Merci et bienvenue à vous, c'est l'après-midi, mais ça ne vous empêche pas d'être chaud. Alors maintenant, il va falloir participer un petit peu plus, car nous allons aller dans la forêt. Mais si, ils sont contents. Mais on est obligés, je suis vraiment désolée, mais on est obligés. C'est, voilà, il y a des quotas, il faut un certain nombre de chansons d'elfes, et on est obligés de les faire. Et vous avez énervé vos voisins avec cette chanson pendant des mois, maintenant il va falloir assumer. Par contre, il y a un effet secondaire, vous l'aurez dans la tête toute la journée. Voire même demain et pour une semaine. Mais votre patron n'en saura rien. Là. On peut cueillir des salades et après on peut les manger. Sur le bord de la rivière, on peut aller se promener. Mais c'est un petit peu galère, si on glisse on peut soyer. Les écureuils et les lapins, les poneys et les cerfs. Voilà, ronde autour des sapins, parce que la forêt c'est super. Mais vous pourrez vous venger plus tard, ne vous inquiétez pas. Le prochain morceau est pire qu'un classique. Je joue absolument tous les concerts et on va le jouer encore. Le prochain morceau, c'est eux qui vont le chanter. Oui, c'est vrai, ils n'ont même pas besoin de nous. D'ailleurs, on va partir. Encore. Je suis arrivé au lieu dit trempé par un orage. Ma monture s'est enfuie mais j'ai gardé mon courage. En tournant l'édifice, quand la porte était fermée, j'ai glissé dans la boue et puis les chiens sont arrivés. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lieu ce donjon, il est pourri. Ils ont bouffé ma cape, mes sandwichs et mon boudin. J'ai dû abandonner mon sac et fuir comme un vilain. Poursuivi par les bêtes, je suis tombé dans un trou. C'était l'entrée secrète qui passait par les égouts. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donc j'en ai des pourris. J'ai rampé dans la fange, les vermines et les sangsues. J'ai atterri dans un cachot où vivaient trois bossus. Et ma veste, mes bottes et mon gourdin. Et ils m'ont balancé dehors, à croquer dans le train. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais bien fait de rester au lit, ce donjon, il est pourri. Et oui, au lieu de faire cette aventure super pourrie, il aurait mieux fait de venir à la Japan Expo et au Comic Con. Car ici, il faut bien dire, il y a plein de choses super bien, dont le concert du Nalband. Et vous êtes des gens de très bon goût, car vous avez décidé de venir nous voir, et c'est très bien, et c'est pour ça qu'on vous aime. Oui, mais en fait...
n'empêche que j'ai traîné dans les corridors sans armes et déprimés. Égaré dans la tour, je suis revenu à l'entrée. Les hommes m'ont vu passer, courant vers la sortie. Ils se demandent encore qui était cet abruti. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait rester au lys, donjon il est pourri. L'histoire était finie, j'ai voulu rentrer chez moi. En courant sous la pluie, boitant comme un vieux rat. Cherchant pour une auberge, une paillasse et un cruchon. Je me suis dit, l'aventure, c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure, mon d'un chien, j'irais plus faire le malin. J'aurais mieux fait rester chez moi, à faire des chaises en bois. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lys, donjon, il est pourri. Bien, merci, merci. On arrive à un grand moment de poésie agricole. Vous allez pouvoir sortir vos costumes. Nous, on est équipés. Nous allons sodomiser des poulets. Enfin, toi, tu vas le faire. Moi, je m'y risque pas. Avec la tête. Alors, certains d'entre vous nous ont déjà vus en concert. Qui lève la main? Ça fait quand même beaucoup d'ignorants. Alors donc il y a un rituel spécial, alors vous allez suivre les amis, voilà, alors Lily va vous faire une démonstration parce qu'à un moment donné dans la chanson suivante, il y aura la chorégraphie du poulet. Voilà. Donc est-ce que je peux avoir une petite note de musique s'il vous plaît? Donc ça va faire. Poulet, poulet, piou, piou, piou. C'est vous qui faites du poulet. Vous faites piou piou, hein. Alors il n'y a pas de raison, voilà. On est tous débiles ensemble. C'est pas maintenant. J'ai quand même un truc à dire, c'est que vous êtes vachement plus nombreux qu'ailleurs, mais on entend vachement moins les pioupiou. Hein. On va faire travailler vos pioupiou. Ouais, mais ils feront bien après. On va voir. C'est le laride du poulet, dansez, dansez si vous le pouvez. C'est le laride du poulet, dansez, dansez si vous le pouvez. Mais il faudrait mieux s'en méfier à mort, ils peuvent vous picorer. Il faudrait mieux s'en méfier à mort, ils peuvent vous picorer. Jamais assez, ne vous méfiez de ce gentil galinacé. Jamais assez, ne vous méfiez de ce gentil galinacé. Et peu de gens pourront parler pour ceux qui lui ont résisté. Et peu de gens pourront parler pour ceux qui lui ont résisté. C'est une vengeance des poulaillers, un monstre sournois et rusé. C'est une vengeance des poulaillers, un monstre sournois et rusé. C'est le laride du poulet, lancez, lancez si vous pouvez. C'est le laride du poulet, lancez, lancez si vous pouvez. Mais il faudrait mieux s'en méfier, à mort ils peuvent vous picorer. Mais il faudrait mieux s'en méfier, à mort ils peuvent vous picorer. Quand vous rêvez de le plumer, ils ne pensent qu'à vous être trippé. Thank you.
merci, vous êtes de très beaux elfes et de très beaux poulets. On va voir si plus tard vous serez de beaux barbares et de beaux nains. En attendant, est-ce que parmi vous, certains ont ramené leur progéniture? Oh là là, dommage, on avait une chanson pour enfants, c'est quasiment la première fois qu'on l'a fait sur scène, ça va être la deuxième, je crois. Hein, la deuxième, c'est voilà, ça. Voilà, alors on espère que vous la connaissez, mais alors faut vous dépêcher parce qu'elle est relativement brève. Voilà. Oui, ça fait des années qu'on nous demande des chansons pour enfants, donc voilà, on a fait celle-là. Et peut-être qu'on va pas continuer. Hein. Non, on a fait une, c'est déjà malade. Hein, il faut s'arrêter au bon moment. Voilà. Et on apprend un nouveau mot. C'est important. Alors tout le monde est prêt ? Alors donc il est dans notre nouveau disque qui s'appelle T'appelle Ivo. C'était un petit gobelin qui s'en allait à la plage, mais il ne savait pas nager et il y avait les requins. Blouf, blouf, le gobelin, il s'est noyé dans les vagues. Yam, yam, a dit le requin, tu finis dans mon œsophage. Voilà ce qui arrive si t'es pas sage. Aujourd'hui, tu as appris le mot œsophage. Prochaine chanson portera sur la clavicule. Ben on dira pas qu'on fait pas des choses pour l'éducation. Bon allez, on est au mois de juillet, donc ça me paraît le moment idéal pour commencer à parler de Noël, parce que 6 mois de préparation, ça me paraît pas de trop. Hein, c'est le bon moment. Puis surtout, c'est super rebelle. Ouais, c'est rebelle. C'est super rebelle. Moi, j'aime bien quand on fait des trucs rebelles. Alors, on va faire ça. On va parler de Noël, mais pas chez nous, plutôt du côté des terres du milieu, là-bas. Ouais, ils sont ici, c'est pas mal. Nouveau, je l'ai mis en ligne il y a quelques mois quand même.
l'heure maintenant. Voilà, il est temps de partir dans les grandes plaines sauvages et faire une ode à Chrome. Cette chanson a été originellement enregistrée avec une chorale d'une Netophonix, les Fiers de Voix, et aujourd'hui c'est vous la chorale. Donc pour ceux qui connaissent la chanson, vous savez que vos paroles, ça consiste à dire Chrome. Mais il faut le dire au bon moment. Des fois il y a des variations, il y a aussi des oh 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 oh. Mais vous allez voir, c'est facile. 1, 2, 3, 4. Oh. Ah!
gardé le secret de l'acier. Oh, Crom, et si tu viens lui demander, oh, oh, Crom, mais où est donc le secret perdu? À vous, il te répondra dans ton cul. Vers un nouveau donjon, mais ce coup-ci on va plutôt se mettre du côté du propriétaire du donjon, car c'est pas évident du tout de gérer ce genre d'établissement. C'est, comment dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer qu'on n'a pas prévues, hein. Le petit personnel n'est plus ce qu'il était de nos jours, et bon, les démons, tout ça, ça obéit pas toujours aux doigts et à l'œil. Voilà que je voulais dire, j'en bafouille, car moi aussi je vais boire un peu d'eau. Oui, alors c'est parti pour Maître du Donjon, un autre morceau de notre dernier disque. Quand tout le monde sera prêt. Je sais pas, ils sont prêts, eux. Ah ouais, c'est la bonne. Bon, on y va, là. 1, 2, 3, 4... De mon armure, je t'ai lassé de voyager. On m'avait parlé d'un donjon caché dans une sombre forêt, avec oublié des prisons, salles de torture et jardinets. Adieu l'aventure, je vais saigner mes compagnons, terminer la vie dure, je serai maître du donjon. C'était vraiment une bonne affaire, un donjon garni clé en main. Les piges mêmes de l'année dernière, les monstres dans les souterrains. Dans le salon, le coffre-fort, sans plus attendre ta signée. Dans mon esprit, un seul moment, tu n'avais pas tout visité. Ce fut l'installation, je n'étais plus aventurier. J'ai vite planqué tout mon pognon dans le coffre en acier trempé. J'actionnais les pièges à l'entrée, m'allongeais sur des coussins. J'allais enfin dormir en paix, c'était sans compter les gobelins. Adieu l'aventure, mon coffre est là. Les pièces d'or avaient disparu, tu courais prendre ton épée. Les pièces d'or avaient disparu, je courais prendre mon épée. Puis tu sortis à moitié nu, hurlant de rage et meurtrier. Puis je sortis à moitié nu, hurlant de rage et meurtrier. Les cuisines étaient dévastées, fallait voir l'état des prisons. Le personnel de nettoyage va réclamer l'augmentation. Ces gobelins allaient déguster, sans compter les scorpions. J'avais glissé dans les scorpions. Je sautillais comme un crétin pour qu'il dégage de mon caleçon. Reprenant ma course effrénée, j'étais juste sur leur talon. J'allais enfin les rattraper, c'était sans compter le démon. Adieu l'aventure, je suis tombé sur un démon. J'ai pas la carrure. C'est lui le maître du donjon. Descendant plus
bas dans les caves, j'entends l'idée des gens de salmodier. Un démon, la gueule pleine de mains, hurla que je sois sacrifié. Tant pis pour l'or et les gobelins, sans plus attendre les filets. Je repartais sur les chemins, j'oubliais les pièges à l'entrée. J'ai déclenché une explosion qui ébranla les murs. Les fils écroulés, le donjon. Laisse tomber l'aventure. T'as pas niveau pour un donjon. Pose ici ton armure et viens chanter une petite chanson. Laisse tomber l'aventure avec plutôt du saucisson. Ouais. Ça va toujours ? C'était alors... pas mal de prier Chrome, hein ? Est-ce qu'il y a des barbares parmi vous ? J'en crois pas un mot, les barbares, ils sont torse nus, j'en vois qu'un. Deux, trois, quatre, cinq. Il n'y a pas beaucoup de barbares, torse nus, les barbares. Il y a encore moins de barbarettes. Les barbares, ils retirent leurs t-shirts. Ils prient Chrome en frappant sur leur torse, comme ça. Chrome. Chrome. Allez, allez, les barbares. Je voudrais pas dire, mais à Marseille, ils étaient plus nombreux. Dans les concerts de techno, ils sont plus nombreux. Dans les concerts de rap aussi. Dans une hutte, on a grandi. Depuis tout jeune, on prend des nions. L'acier tranchant, c'est notre vie. Et nos loisirs, c'est là. Yor le bourrin était un rustre. Il frappait fort et trop souvent. C'est à 4 ans, avec un lustre, qu'il avait tué ses deux parents. Trône le massif était balèze, il tuait les buffles à main nue. Il aimait jouer avec les elfes, en lançant des enclumes dessus. C'est en marchant dans les... cassait les arbres en toussant. Il sautait par-dessus les granges en piétinant les gens, c'était marrant. Le véloce était rapide, il doublait les fonds en courant. Il parcourait la plaine de Creed en 20 minutes et encore. Zorak le berserk était un abruti, il s'énervait quand on pillait. Il frappait aussi bien sur les amis, mais c'est pas grave, on lui rendait. Ourdo le sage savait écrire, il ne s'entraînait pas souvent.
Et bien sûr, il s'est fait pourrir. Il n'était pas très utile quand Lily était bien trop gentille. Elle fut virée du clan dix fois. Mais comme elle fait bien la tarte aux myrtilles, quand elle revient, on n'en peut pas. C'est en marchant dans les entrailles que les parents vont à l'assaut. Et par le fer des haches de bataille, tailler la chair et broyer les os. C'est en marchant dans les entrailles que les parents vont à l'assaut. Plus fort. Et par le fer des haches de bataille, tailler la chair et broyer les os. Après cela, il faut respecter toutes les races. Et puisque nous avons parlé des elfes, moi, tout à ce que j'aime dans les balades. Le quota ethnique n'est pas respecté si on fait que les chansons d'elfes et de barbares. Ils l'ont pas encore assez dans la tête. Moi, ce que j'aime dans les balades, c'est qu'on peut se balader. Cette nuit, vous verrez, vous penserez à nous. Non, mais en fait, il y a la même, mais en mieux. Au front. Le fond, vous êtes encore là? Et devant? Vous êtes même plus là qu'avant. Et tout le monde? On va passer en mode taverne. Enfin, caverne aussi. Moi, ce que j'aime dans les cavernes, c'est qu'on peut aller piocher. On peut extraire du minerai et des pierres pour les tailler. On n'est jamais emmerdé par les animaux crétins. Des fois on peut bastonner quand on tombe sur des gobelins. Puis on court à la taverne parce qu'on a bien travaillé. Et on s'enfile 40 bières pour finir en train de gerber. Ouais. L'histoire de Gurdil. Mais avant, moi, ce que j'aime dans les balades. Ouais, non, c'est les nains maintenant, on a dit. Et Sprotch. Bon, et bien voilà, puis en plus, on arrive à la fin du concert. Et oui, c'est court, mais c'est comme ça. Allez, si tu te dépêches, on pourra même en faire une supplémentaire. Je vais t'en prendre. Voici l'histoire d'un incapable. Oh, bah, ils connaissent. De courir vite et de voyager loin. Mais hier, il y en avait qui chantaient dans les dédicaces. Dans son épopée formidable, nous le suivrons une bière à la main. Ou pas. Un peu plus fort dans le fond. Nous sommes les mains sous la main. Le jour, on voit la nuit et on dépasse la surface. Allez, chauffe Gurdil, chauffe! Un jour, mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt. Il y avait soi-disant une mitrine, s'il y en avait, on ne sait pas où il se trouvait. Il fit sa cabane en bordure d'un bois touffu peuplé d'elfes sylvains. Des gens qui bouffent de la verdure, évidemment, ça ne fait pas des bons voisins. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on voit la nuit, et on dépasse la surface. Arrière, tu n'es pas bienvenu, lui dire les ailes en lui jetant une pierre. Voyant que tout était foutu, en soulevant la rivière, il fut recueilli par les fées, on dit de bleu, brûlant sur le rivage, de l'eau
seau de pluie lui fut donné. Bien sûr qu'on y vendait de la bière, mais aucun homme ne voulait servir à nain. Gurnil massacra le patron d'une taverne à coups de tabouret. Puis il rentra à la maison, et de la vigne il ne repartit jamais. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit. Maintenant je veux voir une mer de bras qui se lève. C'est le moment d'essayer d'attraper votre pinte de bière. Amis, restons bien à l'abri. Mangeons, buvons dans nos maisons de pierre. Là-haut, c'est peuplé d'abrutis. On peut en faire une. Bon, bah, on va sauver les rôlistes. Ouais, on sauve les rôlistes ensemble pour se dire au revoir. On les trouve en groupe de cinq dans les caves des facultés. Ils adorent faire les malins avec leur nez. Ils dessinent dans leur achète des boîtes de jeux, d'autres comprend pas le titre, et collectionne des roses en plastique. On les voit sur internet, dans les chaînes en caleçon. Ils parlent les langues des elfes et lisent des dictionnaires canons. Tu peux sauver les rôlistes avant qu'ils ne disparaissent. Tu veux lancer un dans la table des bonus, tu viens faire ta sélection et tu sauras combien tu donnes à association. Et tu sauras pause déjeuner, ils refont l'éducation, des collègues indisposés par leur incompréhension. Ils énoncent les suppléments de la troisième édition. Et les malus à la classe d'armure d'un perso loyal bon. Imagine le monde sans nous, un monde sans épreuve au dé, un monde sans supplément à collectionner. Plus personne pour dessiner des épées, des boucliers. Plus personne pour dire fumble dans une soirée. Plus personne pour dire chaussettes, ta casaque et puis baston. Plus personne pour dire que ta gueule c'est magie. Fini de les torturer, les pizzas à réchauffer. Et bonjour à la culture réformatée. Thank you.
C'est pas les conneries qui t'amusent, ils en parlent à la télé. Ta mère pense que c'est malsain, passer le week-end enfermé, à retracer les bouquins sur les sorciers. Moi, mon fils, il est religieux, je pense qu'il va pas très bien. Bien sûr, et vous me dites, j'ai l'adresse d'un opticien. Planqué sous un volcan. Il envoie à son tour un signal 128-8 au capitaine Kirk et à sa mamie Yalmator dont les vaisseaux gravitent en mode furtif dans l'atmosphère de notre planète. Ils sont alors convertis en dollars qui sont injectés dans l'économie d'usines de boîtes de pizza qui cachent en fait l'économie du jeu de rôle. Merci à vous, rôlistes du monde entier. Tu peux sauver Rollist avant qu'il ne disparaisse. Tu veux lancer un défi, c'est que tu multiplies par 13. Tu dois obtenir 200 en ajoutant ton adresse. Avec un bonus de 2 si ton père est en bidet. Et tu sauveras. C'est le plus grand concert d'album de tous les temps, voilà. Parce que vous êtes plus nombreux du monde mondial. Voilà. C'est pas tout ça, mais tout le monde a du travail. Merci d'être venu, et puis à une prochaine fois, Cidre et Dragon en Normandie.